Oui, nous sommes dans la commune de Rosso. Le choix de cette commune n'est pas gratuit, puisque c'est une zone frontalière. Il y a beaucoup de mouvements frontaliers qui concernent surtout les enfants. Donc nous sommes accueillis ici par l'ASC Daradi, un groupe de jeunes qui œuvrent pour le développement de cette commune. Aussi, nous avons vu le commissaire qui nous a fait visiter le port. Nous avons aussi vu le maire. Il y a le représentant du développement communautaire qui est juste derrière moi. Donc, pour vous dire que les autorités locales, administratives, les associations, la population adhèrent à cette journée de sensibilisation que nous voulons tenir ici. Et franchement, nous sommes rassurés. Cette journée continue à Bokol. Donc, actuellement, nous sommes en train de sillonner le département de Dagana et nous avons choisi deux